Ok. Une musique qui mérite une attention spéciale sur lui, c'est une musique qui est Like You Do. Moi, c'est une composition de Cadillac, parole et musique. Et même Cadillac, de bon anglais sur lui, en tout cas. Like You Do, c'est une musique qui forcément inspire, puisque au niveau du arrangement, mais qui inspire les chanteuses à tout. Et il forcément inspiré d'un classique de Whitney Houston, à mon avis, parce qu'il fait un pile coup la donne qui rappelle aux volets de match Whitney Houston dans Always, papa, oublie le titre là, un barré de souli, papa. Mais j'ai une crasse de trac là, même. Il va y avoir l'autre nom, les crasse de trac là. L'extraordinaire dans la performance vocale, l'impressionnant. Nous sommes, j'aime qu'on a dit souvent que en pile chanteuse semaine, ça va une musique de référence. On a dit ça. Une musique où on sentit que depuis génération qui a vu là, on a besoin de montrer qu'on chante, puis c'est musique qui a chanté. De vrai, mais par exemple, Pipo avec Cybelle, on dit que Cybelle, c'est musique de référence Pipo. Ça veut dire que tout jeune qui a parlé avec la besoin de montrer qu'on chante, eh bien, elle chante Cybelle, sous capable. Et c'est même, j'ai toute jeune femme qui a parlé, qui a besoin de montrer à chanter Mystère d'amour, Yannick Etienne. Moi, je trouve que la nouvelle génération de chanteuses, ça, mesdames, ils manqué de musique de référence. De vous tendez, vous dites, qu'est-ce que ça, son défi? Moi, c'est Bejim, j'ai une musique de référence par là, avec musique ça. Li, crasé, trap là. Li, son musique, Miguel Bouchon, le bras, au moins 8 octaves, la donne. Li, monte, li, monte, li prend note aiguë, li prend note grave, gain de côté que li changer de tonalité pour le porter plus sensualité, gain de côté li côtoyer même légèrement voix de fossé. Enfin, li fait bagaille, La musique ça, la musique qui dure peut-être 3 ou 4 minutes, li tellement bien exprimé la musique là. Et me penser pour moi-même, c'est que, en termes, s'il a parlé de bagaille, waouh, son album là. Yeah, c'est musique ça. C'est bon. Ok. Une musique qui mérite une attention spéciale sur lui, c'est une musique qui est Like You Do. Moi, c'est une composition de Cadillac, parole et musique. Et même Cadillac, de bon anglais sur lui, en tout cas. Like You Do, c'est une musique qui forcément inspire, puisque au niveau du arrangement, mais qui inspire les chanteuses à tout. Et il forcément inspiré d'un classique de Whitney Houston, à mon avis, parce qu'il fait un pile coup la donne qui rappelle aux volets de match Whitney Houston dans Always, papa, oublie le titre là, un barré de souli, papa. Mais j'ai une crasse de trac là, même. Il va y avoir l'autre nom, les crasse de trac là. L'extraordinaire dans la performance vocale, l'impressionnant. Nous sommes, j'aime qu'on a dit souvent que en pile chanteuse semaine, ça va une musique de référence. On a dit ça. Une musique où senti que depuis génération qui a vu là, on a besoin de montrer qu'on chante, puis c'est musique qui a chanté. De vrai, mais par exemple, Pipo avec Cybelle, on dit que Cybelle, c'est musique de référence Pipo. Ça veut dire que tout jeune qui a parlé avec la besoin de montrer qu'on chante, eh bien, elle chante Cybelle, sous capable. Et c'est même, j'ai toute jeune femme qui a parlé, qui a besoin de montrer à chanter Mystère d'amour, Yannick Etienne. Moi, je trouve que la nouvelle génération de chanteuses, ça, mesdames, ils manqué de musique de référence. De vous tendez, vous dites, qu'est-ce que ça, son défi? Moi, c'est Bejim, j'ai une musique de référence par là, avec musique ça. Li, crasé, trap là. Li, son musique, Miguel Bouchon, le bras, au moins 8 octaves, la donne. Li monte, li prend note aiguë, li prend note grave, gain de côté que li changer de tonalité pour le porter plus sensualité, gain de côté li côtoyer même légèrement voix de fossé. Enfin, li fait bagaille, La musique ça, la musique qui dure peut-être 3 ou 4 minutes, li tellement bien exprimé la musique là. Et me penser pour moi-même, c'est que, en termes, s'il a parlé de bagaille, waouh, son album là. Yeah, c'est musique ça. C'est bon. Ok. Une musique qui mérite une attention spéciale sur lui, c'est une musique qui est Like You Do. Moi, c'est une composition de Cadillac, parole et musique. Et même Cadillac, de bon anglais sur lui, en tout cas. Like You Do, c'est une musique qui forcément inspire, puisque au niveau du arrangement, mais qui inspire les chanteuses à tout. Et il forcément
inspiré d'un classique de Whitney Houston, à mon avis, parce qu'il fait un pile coup la donne qui rappelle, si vous voulez, des matchs Whitney Houston dans Always, papa, oubliez le titre là. Un barré de celui, papa. Mais j'ai une crasse de trac là, même. Il va y avoir l'autre nom, les crasse de trac là. Les extraordinaires dans la performance vocale, les impressionnants. Nous sommes, j'aime qu'on a dit souvent que en pile chanteuse semaine ça pas une musique de référence. On a dit ça, une musique où senti que depuis génération qui a venu là, on a besoin de montrer qu'on chanter puis c'est musique ça chanter. De vrai mais par exemple Pipo avec Cybelle, nous dit que Cybelle c'est musique de référence Pipo. Ça veut dire que toute jeune qui apparaît là besoin montrer qu'on chanter, eh ben elle chanter Cybelle sous capable. Et c'est même genre toute jeune femme qui apparaît qui besoin montrer à chanter Mystère d'amour, il y a des questions. Moi, je dis que la nouvelle génération de chanteuses, ça, mesdames, vous manquez de musique de référence. De vous tendez, vous dites, qu'est-ce que ça, son défi? Moi, c'est Beijing, j'ai une musique de référence par là, avec musique ça. Li, crasé, trap là. Li, son musique, j'ai l'impression de prendre au moins 8 octaves là-dedans. Li monte, li monte, li prend note aiguë, li prend note grave, gen de côté que li change de tonalité pour le porter plus sensualité, gen de côté li côtoie même légèrement voix de fossé. Enfin, li fait bagay. La musique ça, la musique qui dure peut-être 3 ou 4 minutes, li tellement bien exprimé la musique là. Et me pense pour moi-même, c'est que en termes de parler de bagay, waouh, son album là. Yeah, c'est musique ça. C'est bon. Ok. Une musique qui mérite une attention spéciale sur lui, c'est une musique qui relève Like You Do. Moi, son composition de Cadillac, parole et musique. Et même Cadillac, de bon anglais sur lui, en tout cas. Like You Do, c'est une musique qui forcément inspire, puisque au niveau du arrangement, mais qui inspire les chanteuses à tout. Et lui, forcément, inspiré d'un classique de Whitney Houston, à mon avis, parce qu'il fait un pile coup la donne qui rappelle, si vous voulez, des matchs Whitney Houston dans Always, papa, oubliez le titre là. Un barré de celui, papa. Mais j'ai une crasse de trac là, même. Il va y avoir l'autre nom, les crasse de trac là. Les extraordinaires dans la performance vocale, les impressionnants. Nous sommes, j'aime qu'on a dit souvent que en pile chanteuse semaine, ça pas une musique de référence. On a dit ça. Une musique où senti que depuis génération qui a venu là, on a besoin de montrer qu'on chante, puis c'est musique ça a chanté. De vrai, mais par exemple, Pipo avec Cybelle, nous dit que Cybelle c'est musique de référence Pipo. Ça veut dire que toute jeune qui apparaît là, besoin de montrer qu'on chante, eh ben, elle chante Cybelle, sous capable. Et c'est même genre toute jeune femme qui apparaît, qui besoin de montrer à chanter Mystère d'amour, il y a des questions. Moi, je trouve que la nouvelle génération de chanteuses, ça, mesdames, vous manquez de musique de référence. De vous tendez, vous dites, qu'est-ce que ça, son défi? Moi, c'est Beijing, j'ai une musique de référence par là, avec musique ça. Li, crasé, trap là. Li, son musique, j'ai l'impression de prendre au moins 8 octaves là-dedans. Li prend note aiguë, li prend note grave, gen de côté que li change de tonalité pour le porter plus sensualité, gen de côté li côtoie même légèrement voix de fossé. Enfin, li fait bagay. La musique ça, la musique qui dure peut-être 3 ou 4 minutes, li tellement bien exprimé la musique là. Et me pense pour moi-même, c'est que en termes de parler de bagay, waouh, son album là. Yeah, c'est musique ça. C'est bon. Ok. Une musique qui mérite une attention spéciale sur lui, c'est une musique qui relève Like You Do. Moi, son composition de Cadillac, parole et musique. Et même Cadillac, de bon anglais sur lui, en tout cas. Like You Do, c'est une musique qui forcément inspire, puisque au niveau du arrangement, mais qui inspire les chanteuses à tout. Et lui, forcément, inspiré d'un classique de Whitney Houston, à mon avis, parce que lui fait un pile coup la donne qui rappelle, si vous voulez, des matchs Whitney Houston dans Always, papa, oubliez le titre là. Un barré de celui, papa. Mais j'ai une crasse de trac là, même. Il va y avoir l'autre nom, les crasse de trac là. Les extraordinaires dans la performance vocale, les impressionnants. Nous sommes, j'aime dire qu'on a dit souvent que
en pile chanteuse de semaine, ça pas une musique de référence. On a dit ça. Une musique où on sentit que depuis génération qui a venu là, on a besoin de montrer qu'on chante, puis c'est musique qui a chanté. De vrai, mais par exemple, Pipoa avec Sibel, nous dit que Sibel, c'est musique de référence Pipoa. Ça veut dire que tout jeune qui apparaît avec la baisse de montre, qu'on chante, eh bien, elle chante Sibel, sous capable. Et c'est même, genre, toute jeune femme qui apparaît, qui baisse de montre, elle chante Mystère d'amour, Yannick Etienne. Moi, tout dit que la nouvelle génération de chanteuses, ça, mesdames, ils ont manqué de musique de référence. De vous tendez, vous dites, qu'est-ce que ça, son défi? Moi, c'est Bijin, j'ai une musique de référence par là, avec musique ça. Li, crasé, trap là. Li, son musique, m'gèle, vous j'en au moins 8 octaves à la donne. Li, monte, li, monte, li, li prend note aiguë, li prend note grave, gen de côté que li change de tonalité pour le porter plus sensualité. Gen de côté, li côtoyer même légèrement voix de fossé. Enfin, li, fait bagaille, il fait bagaille, il fait bagaille. La musique ça, la musique qui dure peut-être 3 ou 4 minutes, il est tellement bien exprimé la musique là. Et je pense pour moi-même, c'est que, en termes de la palette de bagaille, waouh, sur l'album là.